Monsieur Bataillon, dans ce mémoire. Bonjour, je vous ai fait appeler ce matin pour deux problèmes. Il y a d'abord M. Deroyan qui devait avoir ses deux radiateurs depuis hier. Il m'a appelé ce matin, les radiateurs ne sont pas livrés. Oui, il vient de m'appeler tout à l'heure. Oui. Et je lui ai présenté mes excuses que la livraison sera avant 18h. Bon, le second problème, vous savez qu'avec la dévaluation, la société confronté à des situations financières très difficiles et donc nous devons passer à une compression, à une série de compressions. Et nous allons d'abord faire la première série et dans la première série il faut voir les ouvriers qui ont beaucoup d'investissements et la mise à pied sur beaucoup de mise à pied, ceux qui viennent souvent en retard et un ouvrier comme Wintin Pierre avec son comportement et tout ça, en principe il doit figurer dans la première compression. D'accord, attendez, monsieur le directeur. Matin n'est pas encore arrivé. Et puis, je l'ai vu à l'arrêt de bus avec une femme. Ah bon? Ah, patron, lui là. Il est pourtant 9h30. D'accord. Ah. Oui, patron. Encore fini les deux radiateurs de M. Dorayan? Non, c'est pas encore fini. Allez là. Et M. Wintin, où il est? Il n'est pas encore. Mais pourquoi? La livraison, c'est tu sais quand? C'était hier soir. Hier soir. Oui. Et vous n'avez pas encore fini ça? Non. Et Wintin n'est pas encore arrivé? Il n'est pas encore arrivé. Bon, mais s'il est arrivé, tu me trouves au bureau du type. J'ai compris. Mais ça veut dire quoi ça? J'ai compris. Il est 9h30 là, il ne peut pas quand même être en retard là et il met la société en cause comme ça. Il est pas encore. Bon, ben allez, si il arrive, dis que je me suis au bureau. C'est compris. C'est tellement lourd. On est le patron est fâché, hein. Ah. Trop fâché, même. Si le patron est fâché, hein. Ah. Mais tu vois ce que tu as dit, c'est pas bon, hein. Il a dit quoi? Chérie, c'est ici, radiateur Côte d'Ivoire, c'est chez moi. J'étais à Londres, à Las Palmas. J'ai fait bien mon voyage, j'ai fait au Canada, tout ça là. Et je suis des grands transiteurs, j'ai des sociétés de transit un peu partout. Et là, j'ai monté cette affaire. J'ai des ouvriers même, près de 40 ouvriers. Mais je cherchais un grand coin pour pouvoir grandir le coin. Donc je vais te faire visiter ça. Comment tu peux dire que ouais, je l'ai vu à l'arrêt en train de chercher pas? J'ai vu, c'est le parti pour voir. Il l'a vu, je l'ai vu. Mais là, parce que je vous assure, hein, s'il y avait Sida là, lui là, il était bien mort. Oui, jamais, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Et ça, les crier partout, c'est pas Sida, c'est Lina Kobo. Lina Kobo doit le tuer. Il y a Charles la bombe chez lui. Ça, c'est pas possible. Non, je te disais, après quand là, après la femme, c'est là j'ai ouvert ce point là. Comment ça va, Cargo? Allô? Comment ça va? Non, c'est toi qui es dur, hein? Ah bon? Bien dur. Pardon, mais. Bon, pardon, mais. Ouais. C'est madame? Ouais, c'est le problème déjà. Regarde-moi ça. Toi, on y est comme ça, là. Tiens, tiens, tiens. Tu connais pas ma femme. Cargo, j'arrive, hein? Je vais la faire à toi. D'accord. Je vous assure que l'homme là, son appel de crack, c'est pas grave. Ah, c'est sûr. Il y avait si d'être dans ce monde là. Il a déjà mangé. Il est arrivé.
vraiment, j'ai passé une belle journée hier, hein, Krakow. Alors, mais c'est un oiseau rare. Vraiment. Non, je te fais confiance. Ah, merci alors. Oh, hein. Mais ton truc là, il faut que j'étame. J'étame dessus. C'est 5 000 francs là. Non, non, c'est 5 000. C'est 5 000 francs. Mais j'ai croisé une. Par hasard, c'est ce matin à l'arrêt. Hein? Mais je ne sais pas comment la qualifier. C'est un soleil levant ou bien un soleil couchant. Et j'ai vu, tu m'as habitué à Koumassi. J'ai dit, ah tiens, j'ai un de mes amis, là, un petit ami, qui s'appelle Krakow. Justement, Krakow, tu le connais. Mais écoute, mon ami. Non, le vrai, tu es ça. On le connaît plus dans le quartier. Hein? Donc, tu prends ça en main. Oui. Eh bien, elle s'appelle José. José. Ouais. Oui, elle est tout juste derrière votre maison. Je vois, elle est claire, elle est lancée là. Mais le chef, son nom a passé ici, non? Si, il a passé ici vers les 9h là, hein. Mais il s'est entretenu avec Gaïvin. Ah, ouais. Hé, Gaïvin. Oui, chef, ah. Le chef, personne a passé ici? Oui, il était passé ici. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est fâché là. Vraiment, vraiment fâché. Quand il est venu, il m'a demandé, son patron, où est-ce? Il a dit, attendez là, je suis en train de parler. Ah oui, oui. Il parle au chef, hein. Oui, alors. Il m'a demandé, ton patron, où est-ce? J'ai dit, vraiment, le chef, il n'est pas encore arrivé, hein. Il reste la montre. Mais tu n'as pas dit qu'il est à l'hôpital? Tu n'as pas dit? Non, il n'est pas encore arrivé. Il n'a pas dit ça, hein. Il n'a pas dit ça. Il est resté à la route de vie avec une femme. Regarde-moi ça. Il a dit ce que j'ai vu. Mais tu es malade ou bien quoi? Non, non, non. Ta tête, ton Dieu est perroquet là. Ah, mais chef. Tu veux m'enfoncer dans. Tu sais combien d'années je suis ici? Je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité. Hein? Tu crois que c'est toutes les vérités, on dit? Regarde-moi ce petit pique-main là, sauvage comme ça là. Tu vas voir avec moi. Mais Krakow, mais toi, Clément, si les vérités, tu ne peux pas dire que je suis allé à l'hôpital? Non, c'est pas grave. D'abord, avant d'arriver, lui, il a déjà dit. Moi, il a déjà dit le contraire. Et puis, la mère dit, il dit qu'il t'a vu après 6 heures là. Mais toi, je suis moi. Tu ris. Tu ris, gars. Tu vas voir avec moi. Mais ça là, je te le jure, hein. Si jamais tu as une mise à pied, on va partager ça ensemble. Je m'en vois là-bas. Toi, il était très fâché. Ah, franchement, il était très fâché. Mais ça là, je suis mort. C'est vrai, oui. La demande a fait des deux, le blanc. Non, vous n'avez pas fini encore. Il n'y a pas de bon, il n'y a rien. On peut pas travailler. Mais vous lui avez dit tout ça là. Oui. Ouh. On avait livré ça depuis hier soir. Mais il faut que vous m'avez tué. Le gars qui n'aime pas mon affaire avant. Ça là, vraiment, je suis mort. Il est mort. Il n'est pas mort. Mais il laisse un peu. Non, mais c'est pas bon. Hein. Quoi? Moi, tu peux dire des conneries comme ça. Attends, Eric Clément. Il a vu M. Clément. Il est à l'arrêt de bus, non? Alors qu'il a eu deux femmes, non? Mais j'ai pas dit ça, non? Mais c'est ton affaire? Je sais que le tien, il ment pas. C'est ton affaire? Mais il a pas la vérité? C'est pas parce que je fâché pas quand il est là. On veut mal comprendre. Mais ça, c'est son problème. Mais ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Regardez-moi ça. Si jamais. On va là-bas. Bon. Vingt-un jours. Là, je calcule. Je prends 4 mois de au-delà de 16 ans d'ancienneté. Donc, ça fait 2 530 000. Bonjour, chef. Ah, comment ça va? Ça va un peu. Mm-hmm. De toute façon, il pleut à Port-Goué, c'est pas petit, hein? Ah bon? Ah, vraiment. Depuis 4 heures du matin, vraiment. L'eau même, la route est coupée même. Hein. Il a plu uniquement à Port-Goué et à Trècheville, à Koumassi. Non, moi je suis vers Bassam. Ah. Donc, pour passer même, vraiment, il n'y avait pas la route même. Ah bon? Ouais, ouais. D'accord. Mais vous êtes passé à l'atelier ce matin, non? Oui, oui. Mon collègue Clément m'a dit que. Vers les 9h30. Je suis passé à 9h30, vous n'étiez pas encore de service. Oui, mais c'est à cause de la pluie là. Bon. Mais les deux radiateurs du plan. Oui, monsieur De Royan vient de m'appeler à l'instant même. Il faut qu'on termine ça aujourd'hui. J'ai présenté mes excuses parce que la livraison devait être faite depuis hier. Donc, c'est pas bien grave. Vous n'allez plus travailler sur ces deux radiateurs. Pourquoi? Parce que vous faites partie des compressés ce matin. Quoi? Donc, c'est le salaire que je suis en train de calculer votre. Mais j'ai fait quoi? Ah, mais moi, j'ai reçu des instructions par mon directeur général. Hein. Je ne peux rien, c'est des choses que je n'ai pas inventées. Mais moi, j'ai fait quoi? Donc,
Monsieur Wattin-Wattin, vous allez décharger mon cahier. Mais vraiment. Mais moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous allez prendre votre argent. Bon. Parce que vous m'avez trouvé dans la société ici. Bon. Si vous n'êtes pas au courant, il faut que je vous dise. Bon, vous prenez ce bic ou bien ce bic. Prenez. Monsieur Wattin. Mais dites-moi la cause des avants. Non, mais hein? J'ai dit. Vous faites partie des complétés de ce matin. Le directeur général m'a dit que ça ne va pas, la société est en faillite. Donc si la société est en faillite, c'est moi on a vu pour compléter. Justement, s'il y a rupture de contrat, nous on s'exclut des contrats qu'on travaille, si nous n'avons plus de contrat. Et les gens ne nous font pas confiance parce qu'on ne fait pas les livraisons. Bon, donne-moi ma chérie, je vais partir. Je n'ai même pas envie de poser avec vous-même. Oh. Mais en tout cas, ça là, on va voir. Bon, voilà, vous avez fini d'essayer. Mais votre signature n'est pas conforme, c'est pas comme ça que vous tiez la. D'ailleurs, je m'en fous. Bon, ben, tant mieux, tenez votre argent. De toute façon, moi, je vais chercher à voir le directeur. Il y a votre lettre de licenciement et le certificat de travail. Ouais, monsieur le directeur, c'est moi. C'est moi qui vais te dire. Qu'est-ce que le directeur va te dire de bon? Il va te dire de te mettre au directeur. C'est des mauvais grains. Ils laissent le travail, ils vont jouer. C'est qu'on va voir. Je m'en fous même. S'il y a que nous trois, quelqu'un n'est pas moi, c'est pas moi. Vous ne me connaissez pas. Vous pouvez garder le contact avec nous. Si, hein. Vous saurez que je suis un ancien sorcier. Wattin-Wattin. Mais alors, c'est des gens qui jouent avec le travail. Et maintenant, ils ont des difficultés quand on les met au dehors. C'est pas de ma faute. Hein. Il est déjà 14h depuis là. Les hommes d'Abidjan, mais c'est pas la peine. Il va pas venir ou quoi? C'est fait tard. J'attends depuis une heure. C'est ça la fête. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ben, excusez-moi, hein, si je peux vous déranger. Vous me dérangez beaucoup parce que là, j'attends quelqu'un. Hein. Ah oui, mais de toute façon, comme il n'est pas encore là, je peux vous occuper. Parce que je voulais vous expliquer quelque chose. Vous voulez m'expliquer quoi? Non, de toute façon, c'est comme ça la vie. Hein. Je vous ai déjà dit que j'attends quelqu'un. Ah oui, je le sais bien. Parce que je vous ai vu tout à l'heure entrer. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai... Donc là, vous m'avez suivi juste à l'entrée là. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Parce que sur la terre, on ne sait pas qui est qui. Hein. C'est comme ça. Mais moi, je vous ai dit que j'attends quelqu'un. Oui, mais moi, je sais que ça ne peut pas me déranger. Et vous non plus. Ouais, si vous asseyez qu'il vous trouve là, ça, là, c'est votre problème. Hein. Non, je vois ça, mais de toute façon, s'il vient, je dirais que... Vous lui direz que je suis une ancienne connaissance. Ah, je ne vous connais pas. Tout là, je... Ah non, non, vous aussi. Non, mais en amour, tout est possible. Hein. Ah, c'est arrivé sur amour. Non, enfin, quand je dis en amour, de toute façon, entre un garçon et une femme, il y a toujours... Mais lui que j'attends là, lui, c'est mon fiancé.
Ah oui, non, je ne dis pas non, je ne dis pas non. Et comment on vous appelle? Je m'appelle Chantal. Chantou. Vous prenez quoi? En attendant qu'il n'arrive. Lui, s'il arrive, il peut m'offrir tout ce qu'il veut. Hein. Non, de toute façon, on ne peut pas... Vous ne pouvez pas quand même me refuser de la boisson. Ça, je le fais comme ça, hein, pour un plaisir. Je dis, c'est pas la peine. J'attends quelqu'un. Non, il faut qu'on vous amène. Il faut qu'on vous amène quelque chose. Ah. Garçon! Oui. C'est obligé de boire. Non, non, je ne vous oblige pas. Je ne vous oblige pas. Mon fiancé risque de vous trouver là. Il va s'énerver. Parce que lui, il ne t'a pas s'énerver. Je ne peux pas. Non, c'est rien. Vous pouvez prendre quelque chose. Hein. Vous pouvez prendre quelque chose. Je ne sais pas. Amenez de la boisson là. De la sucrerie. De la sucrerie, oui. Vraiment, Chantou, ça va? Ça va un peu. Mais bon, là, non, vous me dérangez trop là. Mais de toute façon, votre fiancé, il peut chercher à comprendre. Hein? Il peut chercher à comprendre. Mais lui, il s'énerve très vite. Hein? C'est ça qui me fait peur. Non, c'est rien. De toute façon, s'il vient, il sera mon ami. Hein? On va faire l'amitié. C'est sur la terre, on ne peut pas s'énerver pour rien. De toute façon, je lui dirai que c'est une gentille demoiselle qui est là, elle ne peut pas rester là. Hein? Il faut que quelqu'un lui tienne la compagnie. Voilà pourquoi je suis là, sinon je n'ai aucune idée de rien. Mais là, vous prenez la responsabilité. Parce non, je prends la responsabilité. Il n'y a pas de problème. Bah, ça, c'est entre vous la paix. Hein? Bon, vous pouvez. Il y a de quoi manger. Vous pouvez manger quelque chose. Ne vous dérange pas. Ne vous dérange pas. Moi, je m'inquiète, c'est tout. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas. Bon, il y a quelque chose, il y a quelque chose. On doit manger quelque chose. Ah, nous avons de la langouste. 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 Oui, langouste, oui. Ça, oui. La salade. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Amenez ça. Amenez, moi, pour moi, ce n'est pas le prix qui importe. Hein. Mais ça, c'est bien trop cher, ça. Non, c'est rien, ça. Ah. Vous faites tout ça, là? Oui, Chantou, non, mais il faut que... Je fais ça pour vous. Ah, mais ça, c'est alors... pour vous dire combien de fois vous êtes belle, vous êtes gentille. Ah. Ça aurait été une fois. J'ai eu un problème comme ça à Las Palmas. Mais tout de suite, vous venez de me croiser. Puis... Non, mais pour moi, il n'y a pas de problème. C'est ça, vous comme un didon. Je ne peux pas me présenter à vous. Hein. C'est ma façon, c'est ma conduite qui peut vous déterminer qui je suis. C'est comme mais ça. C'est ça, alors. Ah. Sinon, dans les hôtels, perdre au moins... 15 000 francs ou bien 30 000, 50 000 francs, ça c'est rien. Donc vous, l'argent ne vous dit rien alors? Non, l'argent, moi je place comme avant l'argent. Ben dis donc. Ouais. Non, 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 moi j'aime souvent ça. Bon, moi je vais me présenter à vous, moi c'est Winter Pierre, mais mon surnom c'est J.R. J.R. Ouais. Comme dans Dallas quoi? Non, Joe le Rapide. Mais dis donc. J'ai des sociétés de transit à Las Palmas, en Guyane. Oh, mais moi, je vais voyager. Non, mais ça, c'est, oh non, ça, c'est une petite affaire. Ah. Souvent, je suis dans les avions. Hein. Je viens, je passe 15 minutes, je retourne avec le même avion. Merci. Je suis venu pour une affaire parce que j'ai des sociétés ici. Voilà, mais prenez à votre santé. Mais parce que ça m'intéresse. Ouais. Moi, j'aime beaucoup voyager. Hein. Non, non, ça, il n'y a pas de problème. Si vous êtes. C'est-à-dire, il y a des gens qui se montrent, qui disent oui, je suis tant, moi, chez moi, c'est pas comme ça. Mais vous faites quoi? J'ai péri, mon père. Bon, parce que là, j'ai besoin d'une secrétaire à Las Palmas. Juste à là-bas même. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tu dois. Oui, oui. Ça m'intéresse. Donc, je suis arrivé, il n'y a même pas. Ça fait une semaine que je suis arrivé. Je compte retourner la semaine prochaine. Donc, vous êtes là pour une semaine alors? Ah oui, oui, moi, quand je viens. Peut-être cette fois-ci, j'ai duré un peu, hein, mais quand je viens, au moins 2-3 jours, je rentre. Je ne paye même pas les avions. C'est gratuit. Non, c'est gratuit. C'est pas. Là, si on voyage ensemble, vous serez obligé de payer pour non, moi. Non, mais pour payer au moins 500 000 francs, c'est rien. Mais les gens, ils n'ont qu'à mener le manger. Ah, mais oui, parce que je n'aimerais pas que votre fiancé me trouve là. Mais... Hein. Non, mais c'est pas grave. Ah, bon. Vous avez déjà dit que vous prenez la responsabilité. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tout vous à fait. Vous savez, en Afrique, ici, c'est pas comme en Europe. Hein. Là, même tu peux inviter la femme de quelqu'un. Hein. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Mais en Afrique, quand on dit on invite une femme, les gens ont des idées colossales. Ah, mais nous, voilà. Tu sais, nous, Africains, on est comme ça. Bon, c'est pas même là maintenant. Ah, oui. je suis allé en Europe à l'âge de 7 ans. Hein. Donc vous avez fait toute votre enfance là-bas. Ah oui, ah oui. Vous êtes plus qu'un blanc même. Tout ça là-bas. Vous pouvez vous servir. Hein.
Mais je crains un peu pour votre fiancé. Il dit que ce n'est pas la peine. Ah bon, d'accord. Même s'il si arrive, même vous vous faites comprendre, c'est tout. Ah oui, non, il n'y a pas de problème. Bon, servez-vous. D'accord. Servez-vous. De toute façon, c'est la main que nous avons l'habitude de manger. Moi, j'aime beaucoup le riz tellement. Donc, ah oui, vous qui avez vécu en Europe, donc ça, tu peux manger le riz tout ça, mais moi, je n'aime pas ça. Oui, comme tout bon Africain. Les salades, tout ça. Non, mais c'est des crustacés. Il faut ça pour avoir de la bonne vitamine. En moi, Afrique, ici, nous, vitamine, tout ça, c'est si bon. Si je vous dis, ça fait près de 18 ans que je n'ai pas mangé de riz, mais vous n'allez pas me croire. Oh, mais vous êtes comme un blanc. C'est une question d'habitude. Vous êtes tellement habitué. Si vous arrivez à Las Palmas ou bien à Buenos Dias, c'est des trucs... Oh, c'est loin, c'est trop loin ça. Oui, vous non. Allez loin, hein? Non, c'est pas loin. C'est quand on n'a pas l'habitude, on trouve que c'est loin. Comme nous, comme ça, on n'a jamais voyagé, donc c'est tout ça. Oui, il y a des Blancs, si on leur parle de l'Afrique, soit à la Côte d'Ivoire, ils trouvent que c'est la fin du monde. Ouais, c'est trop loin. Des trucs comme ça. Bon appétit, hein. Mmh, vous aimez. Tiens, bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. S'il te plaît, je peux avoir une minute avec toi? Je suis un peu pressée, j'ai rendez-vous. Non, c'est pour discuter un peu, hein? Non, n'aie pas peur, je suis un homme. Ça va pas prendre du temps. Non, ça va pas prendre du temps. Bon, je vous écoute. Tu sais, des filles comme toi là, j'en ai vu dans mes rêves, hein? Mais je n'ai jamais imaginé que je pourrais y croiser un jour. Donc tu es une fleur, une étoile du matin, on t'a jamais dit? Merci, mais vraiment, je suis un peu... Il y a longtemps que tu habites là? Non, ça fait 2 semaines. Tu viens d'où? Je viens de Boaké. Ah ben, raison de plus, les filles de Boaké sont sympas comme ça. Alors, est-ce que tu peux prendre un petit pot avec moi? Je vais à la plage. Mais ça va pas prendre du temps? Non, pas du tout. Je profiterai de l'occasion même pour aller connaître tes parents, tout ça. Tu vois? D'accord, comme tu peux faire du sérieux avec moi. Ok. Bien, merci. Tu montes avec moi. Comme je l'ai dit, j'aurai l'occasion de rencontrer tes parents. En tout cas, c'est ce que tu as dit, mais c'est pas le courage, mais je vais tenir parole et on sera de bons amis. Mais je sais que ta femme n'est pas méchante. Non, c'est pas de problème. Je vais tout faire pour te trouver un petit boulot. Chérie, merci d'avance, sans moi.
c'est l'amour seulement. Non, reste tranquille. Moi, j'ai un principe. Dieu merci au Seigneur. Quand je fais... J'ai rencontré un bon homme au moins dans ma vie. Quand je fais la connaissance d'une fille et que vraiment le contact est facile comme ça, en tout cas, je la prends. Mais les hommes d'aujourd'hui, là, quand ils croisent une fille qui couche avec elle, ils la traitent de tout, hein? Non, c'est pas la même chose. Chez moi, c'est tout à fait le contraire. Attention. En tout cas, tellement la balle est dans ton camp. Si c'est chez moi, il n'y a pas de problème. Ok. Mes parents sont gentils. Non, tu as ma parole, hein, parce que moi, je ne donne pas ma parole d'honneur comme ça à toutes les filles que je croise. Ah, voilà, vraiment, je suis satisfait de ton rendement. C'est formidable. J'espère que d'ici là, tu seras à la maison en même temps. Non, le reste m'appartient. Hein? Tu m'as dit que tu habitais où, là? Je suis à ma corée résidentielle. Ah, ben, tout à l'heure, ben, j'ai eu une réunion au plateau. Et demain, je vais te donner un rendez-vous quelque part, tu vas m'attendre. Que j'aille chez les parents. Bon, on va partir parce qu'on a seulement une heure de temps passé. D'accord. Tu m'as dit que ton nom là c'est. J'ai dit c'est Nadège. Ah, Nadège. Si tu veux me chériter, tu dis Nadoudou. Oh, trop tard. Nadoudou. Faut que je répète. Sinon, je viens. Payer ton transport, ton taxi. Mais je vais t'en partir. Non, je voulais payer ton taxi rapidement. Oh, d'accord. Pour qu'on s'en aille. J'ai mis cet argent. Hein? Et je me retrouve plus. En tout cas, pas bien fouiller tes poches d'air. Tout à l'heure, quand je rentrais, j'avais 35 000. J'ai payé l'hôtel, 3 000 francs. Il devait me rester 32 000. C'est ça que j'ai en poche. Et je suis fort étonné que cet argent. On est bien ici. Fouille bien tes affaires. Il n'y a pas de problème. Non, est-ce que je t'accuse? Mais tu m'accuses, on est bien ici. Tu n'as rien fait. Depuis là, tu fouilles pas. Non, mais tu ne veux pas que j'en parle. Ou bien c'est parce que tu ne veux pas payer mon transport que tu dis ça. Mais est-ce que ton transport peut coûter combien? Si c'était trop donné, c'est 520 000 francs. Tu es une petite fille. Ah bon? Ouais. On a dit que j'étais à 500 000 francs près. 500 francs, je ne veux pas dire 500 000. Tu as menti. Mon argent. Mademoiselle, sois sérieuse avec moi. Je veux être sérieuse. Je n'ai pas pris ton argent. Paye mon nous transport, je vais partir. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment je vais partir. Je ne veux pas accuser qui que ce soit dans la maison ici. Si ce n'est pas toi. Nous sommes deux. Moi, je vais rentrer. Paye mon transport, je vais partir. Je dis, je vais appeler la police pour qu'on nous fouille. Tu vas appeler la police pourquoi? La police n'a rien à voir dedans. Ça, nous deux ici. Quand tu me draguais, Dieu, la police était présente. Ah bon? Maintenant, tu vas appeler la police. Mais maintenant que la police. Et si c'est comme ça, moi je vais partir. Non, tu ne bougeras pas d'ici, mademoiselle. Pourquoi? Je respecte beaucoup les femmes, mais je n'aime pas qu'on se fout de moi. Moi, je me fous. Toi, tu te fous de moi, quel que soit mon âge. Où tu es là? Tu n'es pas mon papa. Tu es à l'âge de mon papa. Tu connais mon âge, moi? Tu connais mon âge? Tu connais mon âge? Ton vieux père, là, on a même âge. Mon papa est vieux. C'est que si moi je vais rentrer, d'ailleurs, arrête d'agresser mes parents. Moi, je vais rentrer. Je dis. Tu as raison. Moi aussi, tu m'as rencontré l'histoire qu'il y a une fille qui t'a insulté, puis elle est partie. Moi, j'ai accepté de venir avec ton papa. Si tu as accepté, c'est que tu n'es pas venu. Moi, je m'en vais. Je m'en vais. Non, non, tu ne peux pas bouger d'ici. Pourquoi je ne vais pas bouger? Tant que je ne t'ai pas fouillé, tu ne peux pas bouger. On va voir. Ouais, ouais. Mais mademoiselle, il ne faut pas faire. Nous allons avoir des prises de l'air. Je m'en vais. Non, non, non. Pourquoi? C'est un gros vieux comme ça là, tu n'as pas honte. Ah bon? Tu n'as pas honte. Ah bon? C'est toi qui as honte de me voler alors? Je vais avoir honte pourquoi? Toi, tu n'as pas besoin de ton âme, c'est mon papa. Je vais m'asseoir, je vais pas. Je vais t'amener déjà, je vais m'en aller dire. Attention. Attention. Fais attention. Je vais partir à la maison. Je vais appeler la police. Appelle la police. Je vais appeler la police. Je dis d'appeler la police. Si on te fouille, qu'on trouve l'argent, on va te mettre en prison. Je n'ai pas pris ton argent. On va te mettre en prison. Je n'ai pas pris ton argent. Tu n'as pas besoin de 5 ans. Je dis, je n'ai pas pris ton argent. Si tu as ton argent, donne-le là. Entre nous, si ça se passe. Je n'ai pas pris ton argent. Tu as rempli. Bon, je m'en vais appeler la police. Chérie. Hein? Chérie, attends. C'est ma mise. Je plaisantais. C'est pour pas si tu es. Tu plaisantais pourquoi? Non, attends, chérie. Tu plaisantais pourquoi? Non, assis-toi. Chérie, yes, attends.
toucher ton père. Non, j'espère que tu n'es pas fâché. Non, je ne suis pas fâché. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me parler? Je veux te parler. Ouais, vas-y. Ton argent là, ouais. J'ai pris pour garder. C'est ouais, ça que je fais parler. C'est une bonne chose. Chérie. Tu as ça maintenant, non? J'ai ça. Tu peux l'avoir? Oui. Ok. C'est pas mal ça. C'est ça. Alors, c'est fini maintenant, non? Tu es une voleuse. Je ne suis pas voleuse. Je ne plaisante pas. Chérie, non, je ne plaisante pas. Il ne faut plus m'appeler chérie. Chérie, attends. C'est fini ça. Non, c'est pas arrivé là-bas. Chérie. Vous, la petite fille, quand on veut vous prendre au sérieux, vous voulez prendre les gens comme des gens. Je ne veux pas mes parents. Alors, vois tes parents, il faut me voler d'abord. Je ne vois pas ta réaction. Je dis, c'est fini. Même ton taxi, je ne paye pas. Je ne paye même pas ton taxi. Et puis, sors d'ici. Sors avant que je m'énerve. C'est fini ça. Non, c'est fini. Non. C'est fini. Je ne veux plus te voir. C'est fini ça. Ça veut dire quoi ça? Ça va prendre à moi aussi parce que. Je vais te maudire. C'est pas qui t'a mis. C'est pas qui t'a mis au monde. Ouais. Comme que ma maman. Tu vas me maudire. Une petite voleuse comme ça. Fais-moi ça. Une semaine, je pense. Ouais, on doit partir. Hein. Donc, on va ensemble. Ah. Effectivement, vous ne voulez plus voyager. Ah. On n'est pas habitué à manger comme les blancs ici. Non. Ah, mais tu donnes toi, tu es plus qu'un blanc. Hein. Moi, je ne suis pas habitué. Là, je l'attendais comme et puis on rentrait. Hein. Ah bon? Ouais. Tout, parce que tout ça, c'est cher. Ah, des trucs, on a besoin d'un maison. Bon, mais d'ici, je vais me tenir en compagnie. Si vous voulez, ça dépend de vous, c'est ce que j'ai dit depuis. Ah, là, c'est tout carré maintenant. Ah, dans notre sens, si tu veux. Bon. Bon, je m'excuse, hein, je vais essayer la facture. Là, c'est une grosse type, hein? Elle est pleine d'argent comme ça. Je l'ai coupé. Il n'a rien vu encore. Un homme comme un qui vote avec tout cet argent-là. Il n'a qu'à faire. Bon, ben, on peut aller se reposer. Il n'y a pas de problème, hein? Ah, bon, d'accord. Passez-moi mon repos. Mais les blancs, ils ont appris de se reposer tous les temps. Bon, vas-y. Tu vas? Monsieur, tu vas me passer. D'accord. Oh, mais je suis fatigué. Oh. Un beau cadre. Ah oui? Tu peux aller dans la douche. D'accord. Ah, vraiment, le voyage m'a fatigué. Tu m'excuses, une minute.
je me sens tellement bien. Oh, aller à Paris, tout ça, je vais le mener. Donc, ma mère serait bien, là. Et puis en plus, c'est encore secrétaire. Bon. Ah, beaucoup d'argent, hein. Chérie, tu fais vite. Ah oui, j'arrive. On ne fait moins ici. On n'est pas à Paris ici, hein? Non, vraiment. Oh. Tu es là-bas pour manger des bons trucs, donc tu es toujours gros comme ça. Ah, mais un homme, il a besoin de... Tu sais, sur la terre, nous sommes des passages. Donc, il faut manger tout ce que... Ah, il faut manger, hein, il faut manger. Ah, mais ici, encore, tu ne vas pas comme ça, hein. Non, ben, l'Ivoirien n'a rien. Surtout l'Africain, il n'a rien. Mais, ici, il y a des gens qui sont payés à 100 000, 100 000 francs, c'est pas l'argent. C'est vrai. Combien tu peux payer ton loyer, tout ça, là. C'est des trucs qu'on ne peut pas... À Paris, mais... Si on pouvait vraiment manger, mais la première prochaine, on s'en va vraiment. Ah, mais on s'en va. Oh. Non, moi ça fait un peu bien. J'ai voyagé. Je suis allé en Guyane. Je suis allé à la Palmas. Je suis allé à Guillaume Diaz. Mais je suis allé au Fistan Honoré, tout ça là. J'ai croisé des filles, mais vraiment, toi, je fais jamais tout bien. J'ai des villas dans chaque pays. Wow. Oui, j'ai des villas. Mais dis donc. Mon chéri n'aime pas ça, il faut moi-même. Ah bah vous voulez aller vous-même? Voilà, là on est très content. Ouais, écoutez, vous partez à droite là, dans le couloir là, à droite. À droite, hein, voilà, vous rentrez à droite. Ils ont écrit buanderie. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Ouais, pas de quoi, hein. Je suis léger où je suis là. Ah,
Chatou. Mais où elle est? Chatou. 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 Elle est bête. Chatou. Elle n'est pas ici. Chadou. Bon, attends, je vais m'habiller. Je vais aller. Chadou. On ne pouvait plus vivre avec moi. Y'a tout. Aïe, 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 aïe. Hé, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Si on pouvait m'attirer vivant comme ça, qui peut m'attirer? Y'a tout, tu vas vivre. Ah, y'a des choses. Ah. Ah, Dieu. Dieu, tu n'as pas vu de moi. C'est pas aujourd'hui où il vient passer qui vient. 2 540 000 frères, 20 000 francs. Et on a dépassé 10 000. Oh. 2 520 000, ça y est. Ah, tu as tout manié. Ah, ça y est. Ah, tu as tout manié. Mon frère. Monsieur, oh, j'ai dit mort. Il y a une accident dans la chambre. Vous n'avez pas vu une fille en polar là. Monsieur noir comme ça, elle a bien sa chemise là. Oui, mais c'est vous qui l'avez envoyé. Non, je n'ai pas envoyé. Non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Elle est partie à la bianterie. Je suis mort. Vous, on lave les habits là. Elle est partie où? À la bianterie. C'est vers où ça? C'est dans le couloir à droite là. Ah, là, je suis mort. Elle est à la bianterie. Ah, mais il fait la main pour rien, je ne comprends pas. Tu comprends pas? Je suis là. Ah. Oui, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas là. Elle est partie. 2 500 000, je suis mort. Elle vous a volé? Ah, je suis mort, je suis mort. Je dis. Elle vous a volé? Combien ça s'appelle? Ah, mais là, moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu ne connais pas son vrai nom? Non, non, mais attends, c'est vous qui l'avez amené. Ah, je suis mort. Si c'est un espoir, vous là. J'ai dit, mais comment vous êtes arrangé? Ah, pourquoi poser question comme ça? Pour quel prix? Non, vous êtes venu à l'hôtel. Je suis allé à l'hôtel, au moment où je me l'avais appris, je n'avais pas. Non, mais je le sais, mais vous êtes venu à l'hôtel avec 2 500 000? Comme ça? On m'a compressé, c'est là, déjà, de ma compression. Je suis pas arrivé à la maison, je suis venu ici. Mais là... Mais d'après moi, manger quoi? Oui, mais vous l'avez pris où? Tu l'as fait des yeux dans l'hôtel. Oh, Bon, allez, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais laisser que la chose est derrière. Vous avez fait des familles. Ah, il y a ma femme doit me tuer, je te le jure, elle va me tuer. J'ai 5 enfants, je n'ai pas encore payé la maison. Et je n'ai pas payé l'école, la maison n'est pas payée. Ah, ah, regardez un homme comme ça, comment il peut prendre 2 millions et quelques pour venir dans un hôtel? C'est pas possible. Come on.
Ah, si tu ne connais pas, il faut parler, on va aller chez moi. J'ai un cousin là, il a son ami qui fait ce qu'il y a beaucoup là. Depuis là, on marche là, tu ne peux même pas... Ah oui, c'était dit. Ah, ah, mais ils ont, ils ont cherché l'appétit. Ils ont cherché l'appétit. Dans votre habillage, on n'a pas confiance. Tu as vu comment dedans. Ah, en tout cas, il y a des bons cercueils. Ah, mais il y a des bons cercueils. Mais est-ce que tu les connais vraiment? Hein? Tu connais le monsieur là? Mais celle-ci, je vois les gens toujours. Parce que oui, je suis là, c'est vrai, il est là. Et ici là-même, on me connaît. Quand j'arrive, on me fait réduction. Ah bon? Là, ça, c'est bon, là. Je suis là, mon cousin là. Comme on est en deuil là. Ah, vraiment. Là. Merci. Donc, comme je suis un habitué ici, je suis votre ami. J'espère que vous allez vous faire un bon prix. Comme d'habitude. Ah. Un ça va. Tu as essayé un. Là, je vais. Ça va, un blanc. C'est le blanc à vous plaît. Ouais. Tu veux que c'est ça, c'est le blanc en prenne. Ouais, c'est ça qui est le blanc. Là, même mon nom va sortir au village. Non, mais est-ce qu'on peut ouvrir? Bon, ouvrez, ouvrez, je oui, je vais voir. Mais il est joli. Il est bien joli. Ah, ouais. C'est pas la fête. Mais on va parler sur toi aussi. Bon, mais ça, même, ça va mettre combien? Ça, c'est 260 000. 200 combien? 60 000. Qui là? C'est quoi, il dit, on va parler sur toi. Comme ça, on va faire la différence après. Vraiment. C'est ça là qui me plaît, vraiment, son prix là. C'est ici là. Ça là, c'est ouais, 290 000. Vous pouvez bien, va voir. 190 000. 290 000. Ça s'appelle de la mort, c'est ça. 290 000. Oui. Comme tu s'en pourris, là. Mais c'est pour c'est ce qui est au gré, nous on peut prendre ce qui est cher. Le plus joli, là. Moins cher. Qui a dit cher? Ou bien tu veux, non. Tu veux faire quoi dedans? Il y a des qui a dit ça. Non, mais tu veux maintenant, fais pas taper ta caoula. Tu es en train de parler. Ça. Ah, mais comme tu posais les. Ah, et le côté là. C'est 80 000. C'est combien? 80 000. Ah, bon, d'accord. Ouvrez, viens voir là. Il veut faire qui casse. Et quand même, il dit ça. Ah, là, là, ça, c'est bon. Ça, c'est combien ça? 80 000. 80 000. Donc c'est lui qui a dit. Non, c'est ça, il n'y a pas. C'est le blanc là qui était juste un peu discuté. Tu as discuté combien dedans? Ah, il a commencé sur combien? Non, c'est ça, mon ami là. Mais ça, là, tu dis, c'est en combien? 180 000. Mais c'est ça qui est bon? Mais ça, le premier prix, vous avez dit. Bon, il vient prendre ça là. Le premier prix, c'est 270 000. Ah, bon, bon. Ouais, 180 000. Eh, mais là, bon, pour ma remise là, tout ça. Ouais. C'est combien là? Bon, après, comme je vais là, j'ai. On arrive, hein? Oui. Tu as combien, mec? Nous, on a donné 160 000. 160 000? Oui. Parce qu'on doit enlever pour poisson, aller, la viande et la boisson, tout ça dedans. Oui, non, ça, ça y a pas. Ça y a pas. Ah, bon. On m'a donné 50 000 francs. À ton avis, tu veux que je le négocie comme ça? 130. 130. 130. Non, même si c'est 120 francs, c'est ah, mal. Ah, d'accord. C'est il faut. Bon. Si tu viens se faire, il faut faire tout ça. Bon, vous êtes. Et moi, les amis, d'accord. Donc, mais sur le cas, quoi. Non, ça va. Donc, vous allez nous laisser ça à 120. 120. Alors, si c'est un moment de cacao, là, ça, je ne peux pas parler pourquoi. Voilà. Lui-même, il me connaît. Moi, je ne suis pas présentement là pour l'avant. Tu as laissé 130 000 francs. Non. De toute façon, on est toujours ensemble. Ah ouais hein? Et les gens viennent le faire toujours. Moi, ça aujourd'hui, je viens connaître. C'est comme ça. Mais bon, on a encore des choses à acheter. Même dans le village voisin, il y a trois mêmes qui sont malades même. Ah, tu vois? Ouais, ouais. S'ils sont morts, même c'est si on est. C'est comme ça. Moi, lui-même, il voulait m'amener à beaucoup. Ouais. J'ai dit non, j'ai un point ici. Oui, là, c'est Samy même. Et je suis venu, je vous ai la mais ça va, vous avez chargé la peinture, c'est ça qui m'a trompé un peu. Bon, mais Corbillon, ça vient à quelle heure? Ça vient à 11h30. 11h30. Bon, d'accord. Ça va, là? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on va attendre. Hein? Si le Corbillon vient en même temps, on règle tout et on s'en va. Bon. Parce que nous, on va à Kukuzo. Kukuzo. Oui, Kukuzo. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Où il y a Poisson, là? Où il y a Poisson. Voilà.
Mais c'est-à-dire c'est à 2 km de Ouyafonso. Donc pour vous là, c'est ça. Ouais. Bon, on va manger viande de brousse là. Et d'ici à midi, on est là. D'accord. Si on va encore avoir trop de temps. Non, c'est non. Mais elle fait ça, bien. C'est pas ça. Attends, ton affaire. Ça arrive au village, mon frère. On n'a pas bien mangé. Alors, vas-y. Non, frère, tu es en train de passer où on est quitté là. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Ah, heureusement, ils sont là même. Bonjour, monsieur. Ah, comment ça va, Douane? Ouais. Ça va? Ouais. Ah, c'est la vérité, là. La vérité, ouais, il est là. Il est là ce matin. Bah, il faut l'appeler, là. D'accord. Ouais. Ah, c'est ça, c'est bon, il arrive. Comment ça va? Ça va. On t'a marqué ici même. C'est avant-hier? C'est nous qui sommes venus avant-hier. Douane n'était pas là. Non, il n'était pas là. Sinon, on a discuté les jours qui étaient là. Et on allait manger. Ouais. Les pieds là. Il y a Pierre et Armand. Pierre et Armand était là. Où est Armand même? C'est la Armand. Ah bon, merci Pierre, là c'est bon. Bon, yeah. On a payé avec toi, non? Yeah. Ah. Il faut parler fort, parce que mon oreille là, ça me fait un peu mal. On dit quoi? Non, non, on a payé. On a déjà payé au cercueil. C'est le camion. Ouais, ouais, c'est le camion. Ça ne peut pas nous avoir. On est tombé d'accord sur le cercueil. Ouais. Ah, on dirait. C'est pas 105? 103, quelque chose comme ça là. 103, bon. Ah ouais. Camaraderie, donc on n'a qu'à laisser ça à 50 000 francs. C'est l'ami. C'est dans quel village même? On va à Coucouzo. On dit Coucouzo, ça complique. Coucouzo. Bon, laisse.